Ben nous voici à l'entrée de l'étang des Essarts, à Dieuze, pour une petite promenade autour d'un étang gelé. On est au début du mois de mars, en 2018, à Dieuze. Alors voilà, c'est un joli petit endroit. C'est à Dieuze, c'est juste à côté de la caserne militaire, l'ancienne caserne militaire. Il y a un joli petit parcours que les Dieuzois et les gens des alentours aiment bien emprunter, avec des petites indications, avec une faune magnifique. Fin d'hiver, et on a vraiment une belle vue pour l'instant. On va faire une petite distance de 1950 mètres. En ce premier dimanche de mars 2018, on voit que l'eau est bien gelée. On est sur la digue en fait de l'étang des Essarts. Un tout petit poil de vent, pas vraiment beaucoup de soleil, une température agréable et une balade assurée. Alors bien sûr, pêche et baignade sont interdites et dangereuses, surtout en ce moment. Alors là, un petit peu plus loin, on passe près d'un joli bras d'eau et de terre, avec un endroit pittoresque, un petit pont qu'on va traverser. Alors un joli petit aménagement qui nous permet d'avancer un petit peu sur l'eau. Ça doit d'ailleurs s'appeler comme ça. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à cet endroit, on peut encore une fois bien admirer les alentours. Ah, c'est sympa pour les sportifs comme moi. On peut monter et descendre ou faire quelques pompes. C'est sympa. On peut observer déjà quelques bourgeons sur les arbres. Ça annonce les beaux jours. On était inondé un petit peu en Lorraine comme dans toute la France. Et là, on voit bien que l'eau a monté très haute. On va arriver sur le petit pont. Il y a toujours des ponts autour de l'eau. Il y a toujours des digues. Et on va traverser le pont. Dans tous les documentaires, on fait des panoramiques. En fait, on est dans un joli coin de forêt, d'un côté, le petit sentier au milieu et l'étang des Essarts. C'est une belle promenade. Allez, on continue. Et là, on fait une petite pause avec des mouvements des bras et des mouvements des jambes. Cercle de bras avant-arrière, ressort accroupi, balancez les bras. Allez, c'est parti. En fait, un étang qui a été façonné par les mains de l'homme, avec un périmètre assez intéressant, avec des bras intérieurs, des bras extérieurs. C'est un joli petit coin de nature. Petit sapin deviendra grand. Apparemment, quelqu'un aurait traversé le petit bout d'étang de ce côté-ci. On voit encore les traces fraîches dans la glace. C'est marrant. Encore quelques engins de torture. Et décidément, le chemin est tortueux, mais au moins on ne s'en lasse pas. Et toujours vraiment à proximité de l'eau et aussi en plein milieu de la forêt. Pierre me parlait des différentes sources d'eau qui alimentaient les étangs. Et donc il y a des sources naturelles, mais il y a aussi des dévers un petit peu. En fait, comme la forêt n'est pas tout à fait de niveau, donc l'eau s'est accumulée dans la forêt et descend par ces rigoles qu'on retrouve à plein d'endroits.
et ce sont également des sources d'alimentation pour l'eau. Quelqu'un aurait-il perdu son gant? Alors là, on ne le voit pas vraiment, mais ça monte un petit peu. Il y a toujours un petit peu de sport, c'est ce joli parcours. Oui, là on est en hiver et le parcours est un petit peu mouillé, c'est normal. Mais alors, comme le disait la dame à la cape, ça serait super en été. Ben oui, je pense qu'on reviendra filmer un petit peu en été, ou en tout cas, moi ça me donne envie de courir. Joli petit parcours. Et en plus, en été, on est souvent dans la forêt, donc il fait moins chaud. C'est pour ça que tous les amateurs de course à pied ou de marche adorent cet endroit. Les essarts radieuses. En fait, là on sort de la forêt. Il y a encore une fois un joli petit coin de verdure avant de rejoindre le début du parcours. Courir jusqu'au numéro 16. Tiens, encore une fois une référence au numéro 16. Un autre point de vue, les essarts. Alors cette fois-ci, on a pratiquement fait le tour. Voilà. Et on est toujours sur le parcours qui fait tout le tour. Et voilà, notre balade autour de l'étang des Essarts se termine. Autour de l'eau, toujours. Et là, on voit l'eau qui s'écoule. Et encore une dernière vue d'ensemble sur l'étang des Essarts. C'est tout près de Dieuze, c'est juste à Dieuze, justement. C'est tout près de tout, on peut s'y promener. Voilà, je ne prendrai pas d'image de la caserne du 13e RDP qui se trouve derrière moi. On ne prendra pas non plus d'image de drone aujourd'hui parce que je pense que la zone est interdite. Mais en tout cas, c'est une super balade, superbe idée. Si vous êtes dans le coin de Dieuze, n'hésitez pas à vous y rendre. N'importe qui à Dieuze vous dira où se trouve l'étang des Essarts et il y a des indications. Sinon, vous prenez le GPS. Allez, à bientôt.